Bonjour. Partage le live. Bipé tout le monde. La rose, mon égax est de retour. Bonjour, ma Vénus Germaine. La monégasque. Hey! La niçoise monégasque. Mama, partagez le live. Venez mes roses. Nizan. Nizan. Comment vous allez? Comment allez-vous? Anne Rose, bonjour. Venez. Mes roses sympathisants. Coucou Anne Rose. Bipez tout le monde. Bipez. Merci Vénus Germain pour les cœurs. Merci ma sister, ma binôme. Un binôme poisson. Collectez-vous, partagez. Quand elle veut parler, on m'a encore dit que wow. Elle dit qu'elle parle plus vos choses. Créez maintenant les pages que star. Moi-même, je vais créer une page monégasque. Rose monégasque. Je mets ça en réserve. Au cas où. Parce qu'il faut toujours avoir des pages en réserve. On ne sait jamais. Donc, je vais créer une page au nom de Rose Monégasque. Voilà. Quand on va atteindre celle-ci-là, l'objectif, celle-là, on va commencer à faire la promotion de l'autre. Nous sommes là. Trop d'atalakou de l'autre côté. De quel côté, non, mamie? Anne Rose, l'atalakou, là, c'est où? Maman, donnez-moi le Congo, ça. J'ai la tête à Congo, ça. Eh ouais! Il y a les atalakou où? Il y a les atalakou où? Oh, alléluia! Et mes bonnes de Dieu, je vais danser. Moi, il y a les personnes qui disent que même si je crie mon nom 100 ans sur la toile, et je n'ai pas. Et ne vous aide pas à faire prolonger votre buzz juste pour faire de la visibilité. Vous allez créer les contenus. Aura. Comme moi, j'en crée. Moi, je crée beaucoup de contenus avec moi-même. Voilà. Vous allez là, vous prenez une sale histoire, vous voulez surfer dessus pour vous faire de la visibilité, pour faire des vues, pour faire la visibilité. Créer des contenus que les gens peuvent venir regarder. Créer mon nom même 100 ans, je n'ai pas. La rose avec la rose, oui, c'était chez la rose, oui, il y a quelqu'un, je ne gère pas. Oui. Oh, ah. Crier ça même 100 ans. Manga, gérer. Non, gérer-t-il. Vous allez apprendre à créer des contenus. Oui. Créer des contenus. Ma page, c'est là. Marc la rose. J'ai commencé ça ici devant vous. J'ai négligé ma page la rose de 237. Suzanne Mora, bonjour. J'ai négligé ma page la rose de 237. Je me suis concentrée sur cette page. Elle n'a pas un an, cette page. Je suis à 6000 et poussière d'abonnés. Qu'elle avait des contenus. Que je crée. C'est ça. Mais il faut les gens qui appellent souvent les gens. Ils prennent quand même. Ah oui. Ils appellent les gens. Le temps que tu veux décrocher, je vais le rappeler. Tu vas voir que c'est un faux numéro qu'on ne connaît même pas.
Donnez d'abord même qu'il mette d'abord le wifi ici. Je vais danser. Pourquoi vous mettez cher de connexion? Vous me l'enjoutez. Cher de connexion, pourquoi? Moi, j'ose la sentir comme ça. Connexion, ça dérange trop. Mais cher de connexion. Donc, tu ne reconnais pas. Okay. Je vais te laisser respirer. Alors, quand tu vas reconnaître, tu vas mettre. Suzanne Mora, bonjour. Partagez le live, bipez tout le monde. Je sais que quand je suis en direct, mais bon. La maladie, vous n'en voulez pas. Elle voulait plus simplement, mais moi je voulais pas. En fait, je l'ai forcé à sortir. Tout ça là pour me faire finir mes méga. En fait, il a dit comme si. Ami, il peut parler à Répia en amont. Celle-ci la partage même ces choses, l'enfant club par les Africains, pourquoi même? Bon, je tenais à dire merci à tous qui me soutiennent dans mon concept de traiteur, la légende des réseaux sociaux, ma BS et Lolo Funja. Maman, je n'arrive pas à oublier. Ok, ce n'est pas ma faute. Hein. Si je répète Lolo Funja, Lolo Funja, j'ai été habitué. Louise et Mene. Et Diba Bouamlo, bah, c'est ça, bé. La team c'est une mot dit à la ma somme bien à mon cas de titre la bo ma somme ma somme na waro lui zemene Rosan Iana ma soeur chérie ma fille hey fais quoi là l'une de mes filles est née de du jardin des roses bonjour Rosan Iana hey Rosan Iana les vacances sont finies il faut que tu te remettes au travail tu commences à chercher tu m'envoies seulement les photos pour la tenue de ta mère, tu sais que c'est ton travail, non? C'est il te revient à toi d'habiller ta mère, non? En ceci, ta mère l'aide le jour, la maman. Si elle aime moi, je dis la maman. Tu connais le retour de ça. Lily de la Tour, Mako Deco, bonjour. Non? Faut que tu commences à chercher la somme. Ma peine à sommer. Tu cherches, tu m'envoies. Tu cherches, tu m'envoies les photos. Voilà, juste parce qu'on décide de la tenue. Pour que ta mère soit belle le jour là. Parce que sinon, hein, vous savez ce qui vous attend, maman. Le déchirement de ça. Bon, ça c'est un souvenir. Hein. Il m'a été offert par le prince lui-même en personne. Le prince monégasque, le prince de Monaco, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène de Monaco. C'est eux qui m'ont offert la tasse en souvenir d'être passé visiter leur château. C'est grave, hein? Je suis en live là. C'est pas c'est le même numéro qui m'a appelé là-bas, là. Je vais regarder. Eh Dieu. Il y a beaucoup de souffrance. Bon, l'entreprise a ouvert. Tous ceux qui veulent passer leur commande. Nourriture, savon, l'entreprise est ouverte. Vous avez le PayPal, non? Voilà, il faut même que je commence à faire tous mes lives maintenant. J'épingle le PayPal, là. Parce que... Il m'avait cherché le numéro, il m'a appelé tout à l'heure là. J'ai pas envie de déranger mon live. C'est le même numéro ici.
Blanche, Blanche, bonjour. Connectez, vous venez doucement. Non, on n'est pas pressé ici. Bon, vous appelez les gens, mais là, on vous rappelle, vous ne prenez pas le téléphone, comment? Vous faites même ça, Romain. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Regardez-moi eux là-bas. Alors, continuez les partages. Continuez les partages. La rose monégasque, c'est en fait chez elle. Maman, je dois répondre. L'eau de la mer m'a noirci le visage. Mais elle est toujours propre et sans tache. Voilà. Mais l'eau de la mer, vous savez, le sel. Je dois reprendre mes soins de visage. Je pense que samedi, on va faire un soin de visage. Demain matin, très tôt, je sors ici très tôt, j'ai un rendez-vous très important. Il va de ma vie. Très, très. C'est même pour ça que je suis rentrée. Sinon, je voulais rentrer le 30. Mais ce rendez-vous-là m'a été donné avant. Donc, j'ai accourté mes vacances. Il va de ma vie. Il est très, très important. Very important. Ça me bengue, non? Alors, partagez, non? Alors, bipez tout le monde. Donc, j'étais donc en train de vous dire que cette jolie tasse que vous voyez m'a été offerte. Attendez, je vous montre le carton dans lequel c'était. Hein. Pensez que moi, je suis là pour rigoler. Ah, je rigole pas. Je suis pas n'importe qui. C'est vous qui me simplifiez ici. Je suis bêta. Sinon, moi, je suis pas n'importe qui. Hein. J'ai aussi Il y a aussi les cadeaux niçoises. J'ai aussi les cadeaux niçoises. Mon canapé, ça m'a manqué quand même. Mon aile reposoir m'a manqué. Voilà, j'ai sorti ma tasse. Elle a les curieux. Voilà. Ça m'a été offert. Vous savez, Monaco. Hein, avec le palais, voilà le palais. Le palais princier. Le palais princier. Alors, ça m'a été offert. Hein. Attends, je vais vous montrer les cadeaux. Vous êtes des roses, non? Ok. Ça fait partie. C'est ça qu'on dit que quelqu'un est star là. À vos stars manioc. Ça m'a été offert par le prince de Monaco, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène. Albert II de Monaco. Voilà. Après une visite de palais, tous les autres sont récompensés par un souvenir. Voilà. Bonjour ma rose, bon retour. Merci Carla Tati Johnson. Après une bonne visite dans le palais, les autres sont récompensés par un souvenir du palais. Voilà. À votre choix. Donc, comme moi, je sais que... Donc, les souvenirs sont là. À votre choix. Comme moi, je sais que je suis Mamina. Un café. Si un enfant touche à ma tasse là, même dans le oui, n'a pas mon. Voilà le palais ici, vous voyez. Voilà le palais. Bon, j'ai dit que ça c'est très bien pour mes lives matinales. J'ai choisi ça. Ça, sa petite cœur. C'est ça qu'on dit que quelqu'un était en vacances. Voilà. Fais-moi le sommet. Le sommet qui est là tout le temps. Hey, vous ne partez pas en vacances. Le sommet, viens me montrer où tu es en vacances. Le sommet. Alors, ça par contre, c'est les souvenirs niçoises. Hein? Ça, c'est le maire de la ville de Nice. Qui est une amie à ma soeur. Qui me l'a offert. Monsieur Esposi. Même en personne, je suis pas votre camarade, mais ça, je suis pas votre ami. Voilà. Voilà. Voilà tout Nice.
Voilà, Nice. I present you na Nice. Voilà, ça, deux façons. Donc, tu peux soit l'accrocher au mur, comme ça. Soit ça, ça aussi. C'est Monsieur Esposi, le maire de Nice, qui m'a offert. Et ça ne chauffe pas. Soit comme ça. Donc, je vais trouver une place pour ça, là, tout à l'heure. Hein? Are you understand? Voilà. Ça, c'est un cadeau d'une soirée. Je suis sûr que je n'ai pas eu le temps d'aller à Cannes. À la dernière minute, il y a eu des petits empêchements. Voilà. Si j'avais pu aller à Cannes, j'y serais allée. Mais je n'ai pas pu. Si j'étais allée à Cannes, j'aurais aussi eu des souvenirs de Cannes. Voilà. Voilà. Ça, c'est Nice. Ça aussi, c'est un autre cadeau d'une soirée. Une amie à ma soeur qui me l'a offert. Je déballe ça là devant vous. C'est un bon petit sac. Pour faire ses petites courses, même pour des petites balades. J'aime les sacs comme ça. Tout ça très nyanga, très cool. Oh là là. Mon sac, c'est pardon. Garde ça avec. Voilà, Nice. Voilà. C'est ça qu'on dit que quelqu'un est en Côte d'Azur. Nice, Côte d'Azur. Oh là là, c'est beau. Hein. La promenade des Anglais. Bisous, maman. Bisous, chérie. Bonne journée. Mm-hmm. Fais attention à toi. C'est ça, ouais. Voilà. Voilà. Il y a d'autres paquets qui sont encore dans la valise que je n'ai pas encore déballé. Je vais les déballer avec le fond. Voilà. Il y a monsieur mon mari qui a aussi des cadeaux de Monaco que moi j'ai. Je l'ai ramené, moi. C'est moi qui a pris pour lui. Là, j'ai acheté pour mon chéri. Et souvenir Monaco, je l'ai ramené deux beaux t-shirts. Monaco et une belle casquette Monaco. Voilà. Pour mon chéri. C'est moi qui a ramené. J'ai acheté pour lui. Comme souvenir. Mais ça, c'est un cadeau princier. Voilà. C'est offert tous ceux qui visitent le palais. Voilà, avant de sortir, il y a des cadeaux princiers qui sont posés quelque part. À votre choix, vous prenez ce que... Coucou, ma star, la star Messang, la femme vertueuse, notre mamoun des mamouns. Voilà. C'est à cause de mes vacances de la gloire glorieuse que je n'ai pas pu être là. Parce que je suis partie avant. Je n'ai pas pu être là, mais j'étais de tout cœur avec vous. Donc, voilà, ça, c'est un cadeau princier. Si vous faites un tour à Monaco, je vous invite à aller visiter le palais. Vous n'allez pas le regretter. Voilà. J'ai payé 10 euros. Je suis sortie avec une très belle tasse. Comme cadeau royal de la principauté des princesses. D'accord? Donc, je regarde pour mes 10 euros que j'ai payé. Voilà. Je ne regrette pas. Ouais, cette belle tasse en porcelaine. D'accord. Peut-être même elle avait été faite par les mains de la grand-mère du prince. Qu'est-ce que vous en savez? Maman! Maman! On dit quoi? La toile dit quoi? Il y a quoi sur la toile? Maman? Je n'ai pas fini de déballer mes valises. Je suis entrée hier ici. Là, et je vous raconte alors. Ma désaventure. Ouais, d'aller. Voilà, quand la Stamaya décide de te laisser. Ça dit que tu frimes, tu crânes, tu crânes, tu crânes. Et puis à la dernière minute, la Stamaya te dépose. Hé, hey, la honte sur moi maintenant. Bon, heureusement qu'une star reste une star. Bon, je vous raconte alors ma désaventure.
N'est-ce pas, j'avais mon train partait de 10 à 16h58, donc presque 17h en fait. On devait arriver à Paris, gare de Lyon. Et je vous rappelle comment je voyageais en première classe. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour la déesse. Diane, pourquoi tu ris? On devait arriver à la gare de Lyon à 22h38. Entre-temps, le train a pris un petit retard, il s'est arrêté dans le vide quelque part, en fait, parce que on dit que c'était un problème informatique, quelque chose de ce genre. Donc, on a pris un petit retard. J'avais pas prévu de prendre ni Hitch ni Uber parce que c'est beaucoup d'argent, money in cap, c'est trop long. De la gare de Lyon jusqu'ici, j'avais pas payé au moins 100 euros pour arriver chez moi si je prenais ou Uber ou ouais. Tu sais que j'ai calculé mes heures. Le RER, c'est jusqu'à peut-être 1 heure. La gare de Lyon, RER A chez moi, c'est direct. Donc, gare de Lyon, Poissy, c'est direct. Sauf que arrivé à Poissy, il y a le bus doit finir, le bus finit à minuit. Alors, et comme il y a deux possibilités, quand j'arrive à la gare de Lyon, il était 23h08, comme ça là. Oui, quelque chose de ce genre. Je regarde le tableau de bord. Voilà le tableau de bord. Il y a un train qui part à Saint-Germain-en-Laye dans 2 minutes. Et à Poissy dans 24 minutes. J'appelle ma fille ici. Je dis, regarde-moi les horaires du train. Elle me dit, regarde-moi à quelle heure il y a les horaires du bus. Regarde-moi à quelle heure il y a le dernier bus pour venir à la maison. Parce que de la gare de Poissy à chez moi, j'ai un bus qui m'amène chez moi à Carrier, je suppose, parce que je suis à Carrier, je suppose. Alors, voilà, elle regarde, elle me dit, maman, le dernier bus est à minuit. Bonjour, chérie. Le dernier bus est à minuit. J'ai dit, ah, bon, comme il y a le train de... Voilà l'erreur que je fais. Eh, maman. Maman, quand la Stamaya veut te laisser. Donc, il y avait le train qui part à Saint-Germain, parce qu'il y a le train de Saint-Germain qui vient, quand le train de Saint-Germain, tu descends à Saint-Germain, le bus que je prends à Poissy part de Saint-Germain jusqu'à chez moi, en fait. J'ai dit, ah, combien à Saint-Germain dans 2 minutes? J'entre dans Saint-Germain, si je savais, j'allais m'attendre de Poissy. J'entre dans Saint-Germain, j'ai dit que comme ça, ça va m'anticiper pour que je rate pas le bus. Et c'est l'erreur que j'avais fait, c'était mieux que j'attende le 24 minutes Poissy. Parce que Poissy, je suis à côté de chez moi. Même à pied, tirer mes valises, que là, yo, ND, ça, j'arrivais chez moi. Saint-Germain, mais longe encore. Voilà, c'est le faux, mauvais calcul que j'ai fait. Entre temps, je prends le train de Saint-Germain, maman. On arrive là-bas, il est minuit pile. Donc, le dernier bus est parti. Hé hé! Ombo! Antiana Hugo. Les choses de la Stamania. Voilà, alors, s'il y avait un détracteur là pour me filmer. On a dit que voilà, alors celle qui est partie filmer Go Monégas, Go Niçoise, Go Canès. Elle rentrait, elle n'est pas capable même de prendre même. Hein? Regardez là, alors là, voilà ici qui traîne avec ses valises. Antiana Mungu. Le père au travail, il ne peut pas l'appeler, qui demande la voiture, tu viens me chercher, je suis bloqué à. Je suis bloqué ici à Saint-Germain. Hey, les choses de la honte. Antiana Mungu. Vous connaissez votre rose, non? Je suis rose et toute casquette. C'est comme ça que j'ai téléchargé Uber, Helico Presto, une star reste une star. Ok. Je travaille les cailloux mouf. Télécharge Uber, là, Helico Presto. Ok. Pendant que je suis en train de télécharger Uber, que Uber est en train de me fatiguer, voilà un taxi qui s'amène. Je monte directement dans le taxi. Je demande au taxi que ça va même coûter combien. Parce que vous, les taxis, là, tu vas faire... Il me dit, quand ça va te coûter, je dis que cher, c'est-à-dire... Dis-moi déjà avant que monte. Il me dit que ça va vous faire dans les 28 euros. Je dis que, ah, donc c'est 28 euros, là, que tu dis que cher. Moi, il va arriver chez moi. C'est vrai qu'il n'avait pas prévu payer 28 euros. Comment on aime trop le John, tout facile, là.
J'avais pas prévu de payer ça, mais c'est pas grave. Si ça va m'amener chez moi, elle m'amène chez moi. Je paye par carte, il me dit, il n'y a pas de problème. Bonjour ma rose, contente que tu sois de retour. Toute fraîche et bien reposée. Merci beaucoup, ça se voit, non? C'est comme ça alors que j'entre dans le taxi. Il me dépose jusqu'à chez moi. J'entre chez moi. Je retrouve ma maison. Je retrouve ma petite famille. Et me voilà devant vous ce matin. Voilà. C'est ma petite histoire que je vous raconte. Tout ce qui finit bien, tout ce qui est bien qui finit bien. Voilà. Mais j'ai sorti un 28 euros que je n'avais pas prévu. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que ça devait être comme ça. Ouais. Donc, merci beaucoup mes beautés. Bonjour. Les choses de la Stamaya. Donc, parfois, il faut savoir que tout laisse. Le bus m'a laissé. Ma rose, télétage, each bot. Effectivement, j'ai vu bot là, mais moi, je ne savais pas que bot fonctionne ici. Voilà. Je vais télécharger. Oui, mon père. Non, le 3, oui, que tu vois là, c'est pour toi. Donc, ça, c'est ce que ta soeur t'a envoyé le premier domaine. Oui. Et moi-même, j'ai ce que j'étais gardé qui est encore dans ma valise. Elle a dit qu'elle est en train de toquer la porte. Comme vous avez dit que maintenant, c'est nous qui toquons les portes, non. Hein? C'est le teco porte. Je suis en train de toquer la porte sur le père. Puis vous avez dit que c'est le monde enlavé, non. C'est maintenant les femmes qui toquent les portes. Donc ma soeur a envoyé le toque porte à son beau-frère. On toque. Non, non, c'est le toque plafond. Toque ou c'est toque fenêtre. On toque. Ouais! Effectivement, quand elle m'a donné ça, elle-même, elle a éclaté des rires. J'ai dit que qui est. Que lui t'envoie le vent, c'est toi qui lui envoie le vent. Donc c'est maintenant toi qui toques la porte là-bas. Elle a éclaté de rire par terre. Donc c'est ça. Tu vas télécharger Mi Beauté. Je ne savais pas que bot fonctionne ici. Apparemment, bot est même très moins cher. Toque toilette. Ah, Emily, c'est toque toilette, hein. Toque toilette. Ouais, vous allez me tuer. Toque toilette. Donc, c'est ça. Je suis chez moi, j'ai retrouvé ma petite famille. L'entreprise rouvre ses portes. Donc, vous pouvez passer vos commandes. Voilà. Vous pouvez passer vos commandes, je vous livre. Voilà. Là, j'aurai même du travail parce que j'ai les savons à emballer. Voilà, vous savez, mon travail qui est souvent là, non. Parce que vous savez que les savons, là, on m'envoie ça. Nous sommes Indi. C'est moi-même qui les habille. Voilà, j'ai tous mes savons là à habiller. Tout à habiller. Et mettre les étiquettes. Donc, le travail repart en vrai. Et comme je vous annonçais hier, je lance un concept baigné haricot bouilli le dimanche. Voilà. Je vous donnerai l'heure exacte. Voilà. En fonction de comment je vais m'organiser. Ça se passera comment? Tous les dimanches, vous savez que la rose fait baigner haricot bouilli. Tous les dimanches. Et toute la semaine, de lundi à vendredi, je fais la pub de ça. Tous ceux qui veulent les baigner haricot bouilli de la rose, vous payez dans le PayPal. Baigner haricot bouilli avec un morceau de poulet. Voilà. Ça peut être le poulet, ça peut être les tripes sautées, ça peut être... on verra. Voilà. Tous les dimanches, tous ceux qui ont besoin, donc vous avez un dimanche matin où j'ai envie de manger les beignets haricots bouillis de la rose, c'est 10 euros la barquette. Voilà. Tous les trois, hein, beignets haricots bouillis, les beignets seront à part, les haricots avec son morceau de poulet à part, ou si c'est les trucs que vous voulez à part, et le bol de bouillis, tout ça à 10 euros. Vous payez sur la carte PayPal tout ce qu'ils veulent. Je regarde combien de personnes ont payé dans le PayPal. Et j'apprends des barquettes. Le coin de repère pour vous livrer. Châtelet, les Halles. On se retrouve à la gare de Châtelet. Si vous êtes 10 personnes, vous arrivez là-bas. Je vous donne une heure, vous arrivez là-bas. Je remets la barquette de chacun. Chacun. Je remets la barquette de chacun. Coin de repère pour la livraison. Châtelet, les Halles. Voilà. Tous les dimanches, c'est mon nouveau concept que je suis en train de faire.
tous les dimanches. C'est en fonction des commandes que vous allez passer. Voilà. Donc, vous payez directement sur le PayPal. Le PayPal sera toujours épinglé dans tous mes lives que je vais faire. Vous mettez vos 10 euros, je note. Voilà, je prends par exemple Émile Bonnard. Dimanche prochain a besoin des beignets. Haricot bouilli de la rose. Je note ton nom. Mi Beauté, dimanche prochain, a passé sa commande. Je note. Ainsi de suite. Et vous payez dans le PayPal. Et moi, le dimanche, quand je pars de la maison, je vous dis que bon, me voilà en train de partir de la maison. Direction Châtelet. Vous arrivez là-bas, chacun récupère sa barquette. Sa barquette. Et on se dit, oh, Omba. Bon dimanche. Et maintenant, le dimanche après-midi, je vous donne comme ça le programme du Jardin des Roses. Les dimanches après-midi, à partir de 16h30 à mon temps, nous avons notre émission Appel à témoigner. Appel à témoigner, c'est une émission, j'avais commencé ça avec Merci Jésus qui était la première invitée qui est passée là-dessus. Dernièrement, elle m'a annoncé qu'elle s'est réconciliée avec son fils. Et c'est un plaisir, ça fait, c'est beau à entendre. Bonjour, Aïssa Tchana, quand tu livres en Suède, maman? Je vais t'envoyer ça que par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Raison, Chana. Je te vais te prendre ça par WhatsApp. Si je pouvais, Raïssa, je vais livrer. Eh, hey, ma sister. Ma yambes. Donc, tous les dimanches après-midi, on reprend avec notre émission. 1h30, 2h30 d'émission. Appel à témoigner. Appel à témoigner, c'est une émission où quelqu'un peut soit me confier son histoire. Moi, j'ai la narre et on en parle et on en discute sur ma plateforme. Soit si la personne a le courage elle-même de venir raconter son histoire, la personne peut monter, raconter son histoire. Mais la personne me contacte avant, me parle de son histoire. Je connais son histoire. Voilà, c'est comme ça. Pour me contacter, c'est le numéro, c'est le 07 54 51 83 48. Merci beaucoup, Raïssa Tchana. Voilà, donc c'est ça. Notre émission reprend, ce sera tous les dimanches, sauf si je suis, sauf si empêchement de ma part. Et si empêchement de ma part, je vous annonce en avance que tel dimanche, nous ne pourrons pas faire l'émission parce que je ne pourrai pas parce que j'ai un empêchement ou quoi que ce soit. Et les matinales, vous les connaissez, nos matinales ne bougent pas. Parce que la nature même, ce qui fait la beauté du jardin, c'est d'arroser les fleurs tous les matins, d'arroser nos roses tous les matins. Donc, notre matinale sera toujours d'actualité. Voilà. Même si c'est seulement pour faire la prière, notre matinale aura toujours lieu. Parce que c'est ça même, l'éthique de notre jardin, quoi. Voilà. Et n'oubliez pas, pour avoir un bon teint propre, choco, sans tache. Vous avez bien vu le teint de la rose, non? Vous avez vu mon teint à la plage, non? Hein? Ce n'est pas le bas de Jonah, vous avez vu ma peau, non? Voilà. Et tous les petits mwenjeng qui disaient, les entrejambes, vous avez vu plus ou moins quand les entrejambes d'une femme sont sales, hein? Elle ne peut pas mettre le maillot de bain parce que ça se voit à partir de là. Vous avez vu les petits wepenga. Les sales filles de réseaux sociaux, hein, qui ne savent même pas bien se laver là. Vous avez vu. Donc, du coup, pour vos savons de la gloire glorieuse, bave d'escargot, curcuma, vitamine C, carotte, l'entreprise réouvre ses portes. J'étais en vacances. Hein. Tout le monde a droit à un repos. Là, je reviens, je suis revenu en forme là, avec un travail acharné. Tout ce que j'ai dépensé pendant les vacances, là, il doit récupérer ça. Ça n'échauffe pas, c'est comme ça. Et en passant, et sans oublier que la rose fait aussi dans les plats emportés. Voilà, parce que nous vivons dans un pays où les gens n'ont pas le temps. C'est dur. Il y a les jours où vous avez envie de manger africain. Vous travaillez dur. Vous rentrez, vous n'avez pas la force pour soit faire un bon dolé,
soit faire un bon Bongo Chobi, ainsi de suite, tout, soit faire un bon héros. Une bonne sauce combo. La rose est là pour vous. Voilà. Vous m'appelez à l'avance. Je prépare votre commande. Je peux venir vous livrer comme vous pouvez venir chercher. Je fais aussi dans des événementiels. Quand vous avez vos petits événements, tels que vos anniversaires, les anniversaires de vos enfants, les baptêmes, des réceptions en famille, des petits événements, quoi, des petits trucs que vous organisez, un seul numéro, la rose du 237, la boss lady des entreprises, Marc La Rose, de l'entreprise Marc La Rose, la seule qui a un jardin des roses de Sumeta. Et aujourd'hui, Niçoise, Monégasque. Et ça ne chauffe pas. D'abord, je vais créer ma deuxième page que je vais mettre à côté, la rose Monégasque. Hey! Anna Wamae. Donc, n'hésitez pas. Le numéro, c'est le 07 54 51 83 48. Contactez-moi. Voilà, je ne suis pas, mes prix sont très très abordables. À partir de 50 personnes, 25 personnes à mon temps, vous serez servi. Le service est de qualité. La propreté est, l'éthique est, la présentation, parce que tout compte. Coucou mon Ludo de Ludo. À maman des roses de retour. Donc, c'est ça. N'hésitez pas. Nous sommes ensemble. Maintenant, le commissaire de la toile dit que quoi? Hein? Et de temps en temps, on peut un peu briefer ce qui se passe sur la toile. Hein? Voilà. Et j'envoie un appel solennel ici là, à Antoine Bachot, qui est quoi? Le président de l'émission Zigzag. Zigzag. Antoine Bachot, j'espère que ton émission, ce n'est pas, tu ne choisis pas ceux qui doivent passer. Ce n'est pas secteur pour quelqu'un qui n'est, j'espère que tu es impartial et que tu n'es pas secteur et que tout le monde peut passer chez toi parce que moi, je vais passer chez toi. Moi, j'ai des questions que je veux que tu me poses. Et je te promets que moi, je ne vais pas zigzaguer. Voilà. Quitte à ce que ça fasse la polémique, je m'en fous. Moi, je ne zigzague pas. Moi, il dit ce qui me vient du fond du cœur. Donc, invite-moi sur ton émission, pardon. Moi, je vais passer là-bas. Voilà. J'ai des questions que tu dois me poser. Et je dois aussi faire la promotion de mon entreprise. C'est quoi? C'est mieux fratel, hein? On devait faire così. Benvenuto. Grazie, amore. Grazie, Ludo. Come stai? Ah. Come stai, Ludo? Donc, maman Tata Doudou m'a remplacé en vacances. Eh ouais. Tata Doudou, belle femme. Donc, c'est ça, quoi. Maman, la toile dit alors quoi? Les Congossais de la toile disent que quoi? Pardon. Le corocoro. C'est le corocoro qui est sur sa peau là qu'on va jalouser. Maman. Eh ouais. Seigneur, la jalousie m'a étonnée. Et c'est vrai, hein? Vu comme ça, elle la ressemble. Elle vu comme ça, elle la ressemble. Hein? À un moment, j'ai cru que c'était elle. Ouais, Claude Akam, toi-même, tu n'es pas facile. Hein? Moi, c'est les commentaires qui me retiennent ici. On dit Dolé Mbolo. On dit Dolé Bobo. Papa, j'ai dit Dolé Bombolo. Awa du Cameroun. Awa du Cameroun. Je ne connais pas, je ne parle pas. Eh ouais. Hey. Maman, non, vous êtes. Elle a osé, bravo à elle. Je parle, mon ventre n'est pas le congélateur. C'est Ndolé Mintumba. Eh qui? Jean Dowen. Non, vous avez des problèmes, hein. Awa de Daido. Vous prenez le nom d'une femme valable et valeureuse, comme Awa,
des bibiches. Vous donnez à qui? Awa a acheté la maison, hein. Vous avez vu la maison que Awa a achetée. Je vous ai dit que ne l'appelez plus celle-là Awa. Elle n'a rien d'une Awa. Awa du Cameroun peut bouger son corps comme ça. Vous lui donnez même Awa. Elle est Awa où? Après, on va dire que les abeilles ne font pas du sale. Marie-Claire King, c'est quoi ton problème sur mon live le matin? C'est un live des abeilles ici. Hein? Tu ne connais pas les lives des abeilles pour aller commenter là-bas. Hmm? On va dire que les abeilles ne font pas du sale. Tu veux que je te montre les caricatures? Attends. D'accord? C'est trop facile. Chouan, attends. Je vais entrer sur la page de Christian de Monaco. Je vais te montrer. Après, on va dire que les abeilles ne font pas du sale. Tu parles souvent dire ça là-bas quand Christian de Monaco caricature les gens. Attends, j'entre chez Christian de Monaco. Je te montre. C-H. Vous êtes toujours en train de pleurer. Les pleurs de chat. Les pleurs de chat. Tout le temps, les pleurs de chat. Hein? Parce que les gens ne se victimisent pas. Que vous pensez que, regardez ça. Les gens ne se victimisent pas. Que vous pensez que... Regardez ça. Ce qu'ils ont fait à Guylaine Chapuis ici. Mmh. C'est trop facile. Regarde ça. Regarde ce qu'ils font en dos et cela. Donc, il faut arrêter vos conneries. Ça, même, c'est petit. Attends, et pas où c'est TKC, machin, tu là. TK Bangala, Mélodie, machin, là. Tu vois les caricatures. Ils sont tous pareils. N'accuse personne. Tu m'as vu accuser qui ici? Hein? Marie-Claire King, Kwesi. Tu m'as vu accuser qui ici? Plus particulièrement moi. Depuis qu'on me caricature, hein, que je fais l'objet des caricatures, tu m'as déjà vu un seul jour m'arrêter sur ça, même me plaindre. À partir du moment où je sais que je suis une belle femme, tu m'as vu déjà même m'arrêter une seule seconde pour me plaindre. C'est vous qui pleurez. Hein? C'est vous qui dites que les gens, Ngozi est trop importante. C'est pour ça que les gens sont sur elle. Mais vous oubliez que les gens de Ngondjalo même sont sur les gens. Donc eux, ils vont être sur les gens, on va pas être sur eux. Ils sont qui? Hein? Bonjour, Caradams Andres. Merci. Ils vont être sur les gens, on va pas être sur eux. Qu'ils sont les qui? Hein? Ils caricaturent, on va les caricaturer, c'est tout. Mais moi, si là, tu m'as même déjà vu venir me chialer. Et c'est le fait que moi, je ne chiale pas souvent quand vous faites pour vous là. Quelqu'un, moi, il vient faire ma. Quand il dit que vous dosez seulement un peu là, c'est les pleurs partout, partout. Ouais, elle est une jarleuse. Ouais, elle est une gnognouse. Ouais, elle est une forfoufouse. Quand vous faites souvent, laissez-moi pleurer. Moi, quand vous dites, vous êtes des dames battantes. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. C'est ça le problème? Et tu viens écrire ici qu'après on va dire que les abeilles. On t'a dit que je suis une abeille. Moi, je suis pas abeille, hein. Tu connais pas les pages des abeilles pour aller écrire ça là-bas. Luis Blandine, comment tu vas, ma sistou? Ma BS. Bisous là-bas. Tu connais pas les pages des abeilles pour aller écrire ça. Moi, je suis pas une abeille, hein. Moi, je suis une place sans bâchement avec ma BS.
fleur de lys. Je ne suis pas une abeille. Je suis une place sans bâchement avec elle. Je suis une place sans bâchement avec ma BS. Lolo Funja. Tata Lolo TV. Je ne suis pas Lolo Maya, je ne suis pas abeille. Donc quand vous avez les lettres ou les recommandés des abeilles et des Lulumania, vous savez où diriger ça. Ce n'est pas sur ma page. C'est pas... Ici, c'est le jardin des roses. Ça, c'est le jardin des roses. Je suis la maman des roses et des rosés. Je suis Marc La Rose. Je suis la boss lady des entreprises Marc La Rose. Ce que je dis ici, je suis responsable de ce que je dis ici. Là. Tu viens écrire ici qu'après, on va dire que les abeilles, je suis abeille. C'est le mur des abeilles ici. Tu connais pas le mur des abeilles. Tu veux qu'il te cite le mur des abeilles. Par exemple, Claude Akam, c'est une abeille. Tu aurais pu aller écrire ça. Hein? Tu aurais pu écrire ça. Fais ton commentaire en bas du poste de Claude Akam. Hein? C'est une abeille. Je te dis le mur des abeilles où tu peux aller là-bas. C'est pas sur mon mur. Faut respecter les murs des gens. Marie-Claire King, quand tu viens ici, soit tu es spectatrice, tu regardes sans commenter, parce que je ne sais pas si tu es sympathisant. Rose ni Rosée, tu ne l'es pas. Sympathisant, je ne sais pas, c'est toi qui vois. Et si tu n'es pas sympathisant, tu peux aussi être une spectatrice, une guetteuse. Tu restes dans la fenêtre, tu guettes. Tu restes tranquille. Ne viens plus mettre les commentaires comme ça ici. Comme j'ai fini de te dire ce que j'avais à te dire, je supprime maintenant ton commentaire. Tu le suis, tu es quoi? Tu es sympathisant. Ok, si tu es sympathisant alors, quand tu te sympathises pour quelqu'un, tu ne viens pas parler des autres gens qui ne sont pas leurs sympathisants. Tu es sympathisante du jardin des roses. Tu parles de ce qui concerne le jardin des roses. Je ne m'amène pas ce que les abeilles font ici. Parce que c'est comme ça que vous attribuez souvent les appartenances aux gens. Ok. Donc, tu n'en ramènes pas les choses qui concernent soit les abeilles, soit les Lulumania ici sur mon mur. Ici, on parle de ce qui concerne le jardin des roses. Ok. Donc, pour cette fois-ci, là, je passe l'éponge dessus. On continue à aller regarder la charité de la toit. Hey, Marie, tu l'avais les mêmes. Oui. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur mon commerce. Même les décryptages profonds, là, moins qu'il y ait vraiment un sujet qui fait vraiment actualité, puis m'arrête dessus. Même les décryptages, parce que moi, il connaît ma force de frappe quand il dit qu'il fait un décryptage. Ça mélange tout la toile. Donc, même ça, il ne veut plus faire. Il veut me concentrer. Mais de temps en temps, quand il passe le fil d'actualité comme ça, là, pour animer la galerie, je peux donner mon bref. Et s'il y a les pics qui sortent dedans, c'est sorti. C'est pas ma faute. Voilà. La toile, ce n'est comme ça. Elle ne doit plus non plus. Vous voyez souvent ici, là, quand la toile est morte, elle est moche. Donc, de temps en temps, il faut quelqu'un qui vient un peu réveiller la toile. Hein? Comme là, j'ai vu la glute, Ngomindang dit que quoi? Oh wow, Ngomindang. Ngomindang dit que quoi? Il y a un vieux décryptage de chez Nancy, là, de Ngomindang. Ngomindang, y'a qui? Ngomindang, pourquoi vous êtes lâche? Eh, qui est? Eh, ma coucou, Amasaneski. Eh, eh, ma coucou, elle est à la plage avec son chéri. Allah, l'amour! Et bien, George, bonjour, mon frère. Là-bas, c'est Saint-Tropez. Là-bas, c'est Paris. Hello. Là-bas, c'est l'Italie. Hello. Oh, maman, ma coucou, tu es ça. C'est pas ce qu'on dit là. Les vieilles chouettes qui sont ici avec les peaux ridées. Oui, elle a le corocoro sur ça. Même aller à la plage, l'eau de la plage fait bien, vient à la peau. Moi, elle n'a pas dit nom de quelqu'un. Qui se sent mauvais va se moucher. Il n'a rien à foutre. Donc, Ngomindang,
Non, maintenant tu dis que vous. Pourquoi vous faites que. Pourquoi vous me dites non déjà? Non, maintenant tu n'as pas qu'air pour prononcer les noms. Hein? Pourquoi vous la mis pour qui non, mamie ça? Tu veux parler avec vous maintenant? Hey, maman. Vous versez sur. Vous. Maman, vous la mis pour qui? Faut dire non déjà. C'est ta cœur. Et comme t'as pas cœur. Oh, vous. Oh là là. Mais c'est quoi votre problème même? Quand tu partais là, pourquoi t'as pas enlevé les clés derrière la porte? Franchement, quoi. Je suis encore revenue dans cette maison. Mais arrête! Vous. Hey, attendez, on ne peut pas chercher le direct de Momenda. Il paraît que vous voyez. Hein? Yes. Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous, maman, le vouvoiement sur nous maintenant? Aïe. Hey. Maman, tu nous vouvoies. On nous vouvoie, maman. Gultanière. Gul. Ta. Gulta. Nyere. Gomenda. J'ai trouvé. Alors, on va chercher. C'était ça. Là où elle parlait de vous. Mais quand elle fait les lives, elle supprime seulement ma. Parce que. Je ne vois pas les lives où elle nous voit. Ah, voilà, c'est ici. Il y a 3 jours, maman. Eh oui, le vouvoiement sur nous. Et qui sont encore actuellement en contrat avec des entreprises. Eh oui. Est-ce que ces entreprises-là ont cassé le contrat parce que ces gens ont fait des choses dans le cadre de leur vie privée? Maman, qui t'a demandé de casser le contrat, mamisa? Ok. Attends. Depuis. Elle a dit qu'elle s'en foutait du contrat. Mais elle a le droit de s'en foutre. Mais je dis. Elle a le droit de s'en foutre du contrat. Je vous avais dit que l'affaire des deux gens-ci là. Et ils font le cinéma. Ne mettez pas au bruit dedans. Chaque adulte a le droit. Connaît ses droits et ses devoirs. Alors. Il y a des choses qui ne sont pas monnayables dans la vie, notamment quand ça touche son intégrité. Oh là là! Quand des choses touchent l'intégrité, il y a des choses que l'argent n'achète pas. Alors? Donc c'est normal. Il y a quoi? Maman essaie. Il y a quoi? Elle a le droit. Eh oui! Moi, ouais, même pas les visos des gens sur mon mur. Hein. Sur mon mur, il n'y a que mon viso qu'on doit voir. Et les gens que j'estime. Je ne t'estime pas, même pas ton viso ici. Maman, le coutier de ça. Maman milliardaire. Boss lady. Oukoulou. Aïe. Maman, le coutier de ça. Vous qui spéculez, je dis, est-ce que cette femme est la seule à avoir un contrat sur les réseaux sociaux. Maman, vous là, c'est qui, non, mamisa? Vous qui spéculez, maman. Le français sur nous. Spéculation m'a étonnée. Vous là, c'est pour mi pour qui, non, maman? Vous. Est-ce que c'est la seule influenceuse qui a un contrat? Hey. Il y en a d'autres qui ont des contrats et qui ont fait
des pires choses. Mmh. Des pires choses. Ah bon? Mmh. Est-ce que c'est pour autant qu'on a dissous le contrat? Aïe. Vous parlez de quoi? Aïe. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, comme elle veut, comme elle le sent. Mmh. C'est une personne Ma? Adulte. Elle a le droit. Maman, c'est toi qui avais dit que oh, tu l'appelais à arrêter, non? Nous, toi dedans. Nous, on lui avait dit de ne pas dire ce qu'elle veut. Elle est libre. Ma chérie, on a créé sa page. Non, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est toi-même qui lui avais dit que, ah ben non, tu aimerais qu'elle laisse parce que elle est ton égérie ou c'est ingérie ou c'est quoi là, elle est quoi, quelque chose comme ça là. Que vous allez aller loin. Le problème, c'est que de vous deux là, tu fais comme si elle n'est pas la seule clasheuse. Toi-même, tu es une autre clasheuse. On t'a vu ici. Hein? On t'a vu laver Madame Nessan ici là. Voilà. Si on dit que quelqu'un n'est pas clasheuse sur la toile, c'est Madame Nessan. Toi, tu es une clasheuse. Parce que de vous deux, c'est toi qu'elle a lavé, elle ne t'a jamais répondu. Hmm? Donc, qui s'assemble, se ressemble. Si ton égérie ou c'est ingérie ou c'est ambassadrice, c'est quoi une clasheuse? Vous vous êtes retrouvé. Toi-même, tu es une clasheuse. Tu penses que tu vas enlever ta casquette de clasheuse. Mamie, ça, tu es clasheuse. Nous sommes les boss lady clasheuse. Parce que moi, si elle m'a vient aujourd'hui, elle dit que je ne suis pas clasheuse. Et ok. Est-ce que quand moi-même pose mon téléphone pour allumer, est-ce que c'est le lait qu'il donne à quelqu'un? Hein? Je ne donne pas le lait. Donc, tu veux nous laisser la casquette là. J'ai tu es trop boss lady. Même ce que tu as fait quoi? Est-ce qu'une boss lady, ton temps que tu passes là, comme là, j'ai le travail qui m'attend. Au lieu d'aller emballer mes savons, je suis là en train de parler les choses. C'est parce que c'est plus fort que nous, Mamisa. C'est plus fort que nous. Donc, je suis en vacances. Tchioc. Venez doucement, hein. D'abord, laissez moi vous gère d'abord. Elle voit la face de qui? Elle voit la face des gens qui ne les connaissent pas. Maman. Oui, je. T'as reçu le courrier avec le code de ma carte? Sur le téléphone. Non, le courrier avec le code de ma carte. J'avais posé ça dans ton... Il n'y a pas le code. Non, j'ai reçu un seul courrier que j'ai mis sur ton... Le seul courrier que j'avais reçu, j'ai mis ça dans ta chambre. Mais pourquoi il n'y a pas le code? Bon, je ne sais pas. Rentre là-bas et demander. Oui, allez-y. Vous pensez que... Parce qu'une personne a un contrat avec une entreprise, on va l'insulter, on va l'injurier, on va la calomnier, etc. Et elle va se taire. Elle se tait si elle le veut. Elle répond si elle le veut. Elle a toujours fonctionné comme ça. Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Elle a le droit. Elle fait ce qu'elle veut. C'est une personne adulte. D'accord? Donc, ne venez pas me dire oh, qu'on peut se taper le poing sur la table et tout. Elle a le droit. C'est moi qui parle à sa place. Et qui? Elle a le droit de parler comme elle veut, comme elle veut. En gros, ton problème, c'est quoi? C'est le point qu'elle a tapé sur la table, ou bien c'est qui? Mais ton égérie tape le point sur la table, qu'on ne la tient pas en chantage. Et toi, tu viens t'en prendre à nous, que c'est nous qui lui avons donné le contrat. Ton égérie a dit qu'on ne me tient pas en chantage avec un contrat. Ou bien quand vous entendez, vous ne vous écoutez pas. Elle a dit qu'on ne me tient pas au chantage avec un contrat. Et nous ici, on sait que la seule personne qui lui a fait le contrat, c'est toi. Donc, si elle parle du chantage, nous, quoi, vous, que tu mets là, nous, quoi, dedans. C'est nous qui avons fait le contrat. Coucou, ma faufesse, c'est bonjour. Ce qu'on entend d'elle, c'est son mariage. Du mois de juillet. Maman, peut-être c'est juillet prochain. Il y a beaucoup de juillet. Le reste, on s'en fout. Il y a beaucoup de juillet, mamisa. Maman, quelqu'un vient crier son ras-le-bol. Que j'en ai marre. Hein? Merde. On me tient en chantage. Avec un contrat. Je reprends ma casquette de clasheuse. Toi, tu viens nous dire que, oh, machin. Attends. Si quelqu'un s'adresse ici, c'est à toi qu'elle s'adresse, c'est pas à nous. Amélie, ta chance, c'est que les Camerounais ne sont pas les Ivoiriens ou Sénégalais. Ce genre de problème, surtout, les publications de nudes, tu n'allais pas avoir ce langage.
C'est son problème là-bas. Bonjour, Sandra Nelly. Maman, toi, tu viens t'en prendre à nous. Tu t'en prends à nous que nous, on a quoi avoir dedans. C'est entre vous là-bas. C'est toi qui lui as fait le contrat. C'est entre vous. C'est ton ambassadrice, ton employé. C'est toi la patronne. Si elle dit que je suis fatiguée, hein, je me sens étouffée. Vous me tenez en chantant. Vous, là, c'est qui? Elle ne peut pas dire que vous me tenez. Vous, ce n'est pas nous. Elle doit te dire à elle. Elle doit te dire à toi. C'est toi qui lui as fait le contrat. Vous là, vous là, vous aimez tout le mot vous, vous, vous. Eh, vous souffrez entre vos mains. Mais c'est adulte, point barre. Mm-hmm. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors. Maman, la pérille de ça. Il y a le genre de couchasse ici, hein. Tout à l'heure, moi, je vais mettre ça. Comme c'est. Peut-être c'est la nouvelle. J'ai dit qu'il y a plein de. La nouvelle. Marque de perruque des boss ladies. Je vais sortir ma part de couchasse tout à l'heure, je vais poser sur ma tête. Avec des voilà. Peut-être c'est ça qui fait, c'est la marque. C'est ça. Quand tu as le jassi là, tu es boss lady. Oh, tu as le couchasse ici. Ça m'énerve même souvent quand ils portent ça jusqu'à. J'avais même regretté pourquoi il avait acheté ça. Les gens doivent s'intéresser à la vie privée des gens. Les gens ont leur vie privée. Ma bouche a changé, elle ne parlait pas comme ça avant. Ils disent ce qu'ils veulent de leur vie privée. Moi, je dis encore une fois. Maman, elle a eu peur. Elle a eu peur parce que j'avais la rage que son ambassadrice est sortie avec. Dit qu'on n'était pas gendarme. Elle a dit que. Mais je croyais que j'avais réussi à baisser les armes d'Angassi, la maman. Et elle dit que non, mais qu'elle est. Moi, le jour est fait. C'est quoi, on a fait à Marc Loclo? On peut faire à Marc Laca, donc ça peut arriver sur moi. Elle est obligée de parler, mais est-ce qu'avant elle parlait comme ça? Parler dans les humiliations. Maman. Des chats. Mais de mes roses, tout à l'heure, elle met la perruque ici. J'ai ça, le couchasse là, j'ai ça. Coucou Annick. Elle le couchasse là, en blanc même. Tout à l'heure, vous posez le couchasse sur la tête. C'est la marque déposée des boss ladies. La nouvelle marque déposée des boss ladies, maman. Je ne prends pas les décisions qui concernent la vie privée des gens. Ça ne me regarde en rien. Ok. Ok. Wow, wow. Mais elle est devenue serpillère d'une illettrée. Un alphabet raté. Ah, maman, elle a le choix, qu'elle tente. Maman, les ouf vont la déchirer comme ça, là. Hey, le karma. Mais tôt ou tard, ça va arriver. Aie confiance. Et d'ailleurs, tu vas nager? D'accord. Mmh. Mais tu vas avoir froid? Ok. Oui, mais là, les bras. Tu dis, hein? J'ai horreur des gens qui font sur le wattisage. Alike, elle est même où là? J'ai horreur des gens qui font sur le wattisage. Tu vas nager? Tu vas nager? Elle dit que surtout quand tu as l'accent bassa. Alike, quand tu as un accent bassa, tu ne dois même pas forcer le wattisage. Les doigts là encore, ça passe. Parce que le doigt, même d'abord, c'est dans l'ampide comme le français. Tu vois? Une doigt là, une indale, quand il faut se wattisage, ça donne ça. Tu es en danger, chérie? Ah. Mais attends, fais attention à toi. Hein. Oui, ça donne. Mais le bassa, tu vas naser? Hé, Andiana, maman. Là, sans bassa, déjà. Hé! Adjabe! Bon, Alimbi. Alimbi, bon, ouais. Maman, le wattisage d'une massacre à Maël Mbongo Chobi à El Makabo. Ça a roulé la gorge avec le Mpele Makamu. Maman, tu arrives en France, tu vas naser? Tu vas naser? Hey. Hey. C'est vrai que le Mbongo Chobi, le Nouraloba, tout ça là, enfin, ça y a tout une goutte d'huile rouge dedans. Ça. Et tu vas danser?
C'est ça qui se dit qui produit la sang de ma salle là, tu vas danser. Oui, mais fais faire attention à la culotte là. Anti, on a mon goût, je suis nous maintenant, anti. Ouais, maman. Aïe, ouais. Si, ami. J'ai pas compris. Quoi? Mais si tu ne trouves pas le code, c'est aussi simple que ça. Tu repars à la banque, tu leur dis ça, ils donnent un nouveau code. Est-ce que c'est la mode? Ils n'ont pas envoyé, c'est pas arrivé ici. Va leur dire ça. Le seul courrier que j'ai reçu quand tu t'es parlé, j'ai mis dans ta chambre. Au revoir. Seigneur, il y a des mois, j'ai écrit sur la page dans Goulaké Amélie Cache. Sur ses ailes de diva, une Camerounaise bien trempée qui sait se mettre dans la boue. Mais Victorine, j'ai pas parlé tout ton commentaire. On a tout vu ça ici. La façon dont elle s'est comportée avec Madame Nessan. C'est ça. Attends, on a vu quelqu'un qui est né à Lourbaba. Attends, et qui est? Je viens du TV. Le thé à la... Ok. Comment tu appelles ça? Eh? À l'épice, là, du romarin, s'il te plaît. Tu prends des jeunes pousses du romarin? S'il te plaît, mon amour. Non, je suis pas fou. S'il te plaît, mon amour. Ouais. Maman, voilà Rachel Grotoyen, ici, là, une bassard, mais on sent que ça, c'est une bassard. Qui n'a pas trop mangé le mbongo, un sourire. Voilà. Ça n'a pas rouillé sa gorge. Au moins, quand elle parle, il y a un peu l'accent bassin, mais le whiteisage donne quand même. Mais pour celle-ci, hein, maman. Maman, on enlève le baba sur nous, mais le baba nous suit. C'est kilomètre 8 ou c'est kilomètre combien, là, maman, c'est souvent sur nous. Tu vas peindre un peu du même, prends un peu d'été. Oui, du romarin. Maman, boss lady dit ça, les vrais boss lady. Monégasque comme nous, voilà comment tu dis. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'ajouter une petite tasse de café là, s'il te plaît? Ah oui, tu me la sers sur ma tasse de Monaco, hein. C'est, oui, la tasse qui m'a été offerte par le prince de Monaco là. Ah oui, le prince Albert II de Monaco. Ah oui, c'est là où tu vas me la servir, hein, chérie. Ah, c'est comme ça. Hey, tu vas aimer. Hey, hey! Maman, ça entre nous, les boss lady. Maman, on n'en va plus. Qu'elle lise le courrier. Ça a tout. Elle devrait pas. Son téléphone. Tu as reçu un courrier quand elle n'était pas là? Non. Ah non. Moi, le courrier que j'ai reçu, j'ai mis sur sa table. Seigneur Jésus. Des fois, c'est des courriers numériques. Donc, elle regarde son mail. Amina, regarde aussi ton mail, hein. Vérifie ton mail. Tes mails. Si on t'a pas envoyé ça par mail. On écoute, Maminda.
Oui, Rachel, tu ris quoi? Oui. Gomindang, Gomindang appelle la TKU. Bonjour Claire et quoi? Bon retour des vacances. Bonjour ma soeur. Ok. Ce qui m'étonne, en fait, ce qui m'étonne, mes amis, c'est que la coach à mon chic, la coach à mon chic, qui gagne des millions d'abonnés, aussi bien Carole, qu'est-ce que tu dis? Vous interprétez si les gens se sentent bien, si les gens ne se sentent pas bien. Vous êtes en train de faire. Oh. Bref. Maman, c'est la perruque là qui me retient ici, le Je coup de châssis là. suis en train de vous dire ici, mais tout à l'heure, Maman, je vais mettre ma part que tout à l'heure. J'ai une perruque de Boss Lady. J'ai ça, j'ai la même perruque. Elle avait un contrat. Un contrat avec des cosmétiques. Son contrat est fini. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non. Est-ce que tu as eu le Est-ce que prince vous avez entendu parler pour le de la 28 fin du septembre? contrat Non, je de ne l'ai la pas encore eu. coach à mon chic avec Je suis rentrée aujourd'hui, là où je suis rentrée, là, je vais appeler. française dont elle était égérie? Non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens se respectent. Les Ivoiriens, Mon père, le courrier là n'est pas arrivé. C'est le seul courrier que j'ai reçu. J'ai mis dans sa chambre directement. C'est le seul qui est arrivé. Il n'y a pas un autre. Mais tu la connais, non? Et parce qu'il n'y a pas. Les courriers sont toujours en La train perle de Jésus, je de vais te bloquer. On t'a dit que ici c'est le Tchansan. Il n'y a On t'a pas. dit Le que seul que si j'ai reçu, j'ai mis dans sa chambre. Je te bloque. Ah, donc ils n'ont pas envoyé alors. Il fallait mettre chez. Je vais mettre une famille de toute façon. Non, là-bas, quand tu as ouvert, tu n'as pas mis chez. Non. Maman. Oui. Je sais ce que je voulais demander. C'est vous qui faites l'apologie de Je vous Jésus. reviens, pardon. D'accord? Quand toi tu faisais, tu n'as pas fiché. J'ai oublié que bientôt elle n'est plus Vraiment, mineure. Dieu. Ah ben, une batterie externe. Une? Une batterie, j'étais en train de dire. Batterie externe, non, Mais tu n'as pas. Le téléphone non plus de batterie. Non, elle demain, elle est de mon charge. Personne. Non, je n'en ai pas. Pourquoi ton téléphone n'est pas chargé? J'ai travaillé avec. C'est quel genre de batterie, je vous dis? Amina. On a eu un contrat. Son contrat s'est terminé avec moi. Oui. Elle continue son travail, je continue le mien. Un jour, le contrat avec Diamant Bleu se terminera. Elle continuera à faire ce C'est qu'elle même pas a fait. universel. Je continuerai à faire ce qu'elle a fait. Il est où le problème en Ok. fait? Il est où le problème? J'ai dit, qu'est-ce qui. Il est où le problème? Donc c'est normal que quand tu poses sur la table, elle se sent harcelée, acculée. Vous pensez que acculer quelqu'un comme ça, à la saquer, Tu repars à là-bas? l'insulter, à la ficher, à la saboter, à la dénigrer, à la. C'est normal. Eh bien, je vous ai laissé ici. Moi, je suis rentrée hier. Tu me demandes les Tu chiffons. poses sur la table. De quoi, mon père? C'est une personne adulte. Il y en a peu. Ce n'est pas ici que tu as vu. Ce n'est pas là. Le dernier, là. C'est une personne adulte. Le tiroir blanc. Je dis juste que ce qui est incroyable sur les Dis réseaux doucement. sociaux, c'est que des C'est pas à gens l'intérieur. profitent de certaines situations pour enterrer certaines personnes. Il n'y en a pas. Non. Regarde maintenant ici, là. Il n'y a pas de lieu d'être. Regarde là-bas. Les gens doivent s'offusquer à chaque fois qu'il y a un problème. S'il faut que les gens s'offusquent seulement par rancœur, par
par vengeance, etc. Hein? Ça n'a pas, ça n'a plus rien intérêt, en fait. Mais attends, vous l'avez fait déplacer. On l'a fait déplacer, mais elle n'a même pas encore commencé. Elle va entrer dans sa maturité. Elle va faire comment? Il faut qu'elle prenne son calme, parce que là, elle entre dans sa maturité. Et c'est là où elle a même beaucoup de choses à faire. Donc, elle va péter les plombs tout le temps. Et ça, c'est valable aujourd'hui. Ça ne changera jamais. Aucune. C'est même que le début, elle va alors péter les plombs tout le temps. C'est maintenant que sa part de vie commence. Merci. Okay. Hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Maman, la star mania de ça. L'eau est bouillante. Merci, bisous. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Maman, on peut être boss d'aide et mettre le coucha sur la tête comme ça, maman. N'était pas mieux, tu peux tenter ça comme pour moi ici. Là. Rien n'est. Bon dimanche, Nibada. Rien n'est éternel. On doit quoi, comment tu vas, ma sister? Ma fille, mon autre fille. Quand on se marie, on peut se séparer. Ma fille est esprit libre, Audrey. On peut rencontrer avec une entreprise ou avec un employé, même les employés, les salariés. Eh oui. L'entreprise. Moi, j'ai déjà un salarié qui a changé de boulot. Par exemple, voyez, quand vous embauchez un salarié, vous espérez que le salarié reste dans l'entreprise le plus longtemps possible. Mais le salarié peut décider de changer de domaine. Coucou ma belle chou. Comment tu vas? Même un poids dans une autre boîte. Tu vois quoi je dis mon père? C'est la loi, c'est la loi de la société, c'est comme ça. Il n'y a rien qui est. Non, je demande juste non. Je réitère le fait que je n'épilogue pas. Ok. Maman, les commentaires, c'est chez elle, mais m'énerve. Maman, le direct de la femme, c'est dans la paresse. C'est pour ça qu'elle n'aime pas la suivre. Je n'épilogue pas sur des problèmes personnels. Je dis les problèmes personnels. Voilà, je ne la suis pas parce que c'est direct, mais dans la paresse. Comme je n'aimerais pas, moi, en tant que femme, que quelqu'un vienne fourguer son nez dans mes histoires personnelles. Mmh. Je l'accepte. Il y a quelqu'un qui fourgue le nez dans les histoires personnelles des gens comme elle. Mmh. Ah, voilà, qui a de mettre la vie privée de son ancien général dehors. Tu dis quoi de ça? Vous comprenez? C'est normal. Précision d'esprit libre. Même si esprit libre, personne ne l'accepte. Ouais, maman, apparemment, on vous clash les esprits libres. On dit que vous êtes une gangrène, maman. Ouais, que moi, où je suis installée là, dans ma belle vie, etc., dans ma vie paisible, maman, quelqu'un vient piéter. Ma belle vie de ça, avec le coucha sur la tête, plongée métallique sur la tête, belle vie. Wow. Nous, on va mettre l'éponge métallique. Les grandes boss ladies qui ont les salariés mettent l'éponge métallique. C'est ma vie paisible. C'est normal. Ah oui, elle fait les économies pour payer les salariés. Ça sera plus la Greta Boss. Hein. Ça sera le lion du... Je ne sais pas moi, le lion de... Maman, elles sont partout au Gabon. C'est normal tout ça. Ok. Chacun se défend comme il peut. Mmh. Quand ça touche sa vie personnelle, c'est normal. Eh hey, maman. Donc, Madame Perpétue, elle a le droit. Hein? Madame Perpétue, c'est fini. C'est son droit le plus absolu. Maman, vous qui allez à l'école là, on dit Madame et on met le prénom sur ça. Tu sais qu'on dit Madame Ndale? Hein? On dit Madame Ekwala? Madame Elon? Je ne sais pas qu'on dit madame et puis on dit madame Hermine, madame Emilienne. Maman, les intellectuels de ça. Anna Wama, madame Perpétue. Et les gars, où les longs crayons là?
Vous qui êtes allé à l'école, là, on dit madame, madame, et on met le prénom, et le prénom suit. Non, expliquez-moi, hein, je ne continue pas si vous ne me répondez pas. Peut-être elle peut me tromper. Si vous ne me répondez pas, elle ne continue pas. Répondez-moi. Quand on dit madame là, ça suit à elle le prénom. Parce que c'est que quand on dit madame, c'est le nom qui vient. Et maintenant le prénom peut suivre. Madame Indale Hermine, par exemple. Madame Equala Gertrude, par exemple. Madame Kouali Audrey, par exemple. Mais est-ce qu'on met madame? Vous ne voulez pas répondre. Le direct est fini. Répondez non. Je vais apprendre. Peut-être que je me trompe. Attends vos réponses. Peut-être dans son identité de fabrication de Julie. Ah, d'accord. Ah, peut-être là-bas, ok. Parce que moi, je sais que quand on dit madame, c'est le nom qui suit et non le prénom. C'est ce que je sais. On dit nom. Prénom. Oui, ma rose. C'est la France, le français de Meta. Ah, d'accord, le français de Meta. Ah, d'accord. Français de Meta, ok. Ok. Maman. Madame Pépé, tu as. Anna Wamae. Les boss lady de Meta. Nous sommes tous boss lady de la Meta là. Eh ouais. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas la différence entre une égérie et une ambassadrice humanitaire. C'est pas la okay. même chose. Moi-même, ça m'insupporte. C'est pas la même chose que vous le voulez ou non. Elle donne la paresse même. Après, les gens viendront me dire que tu la vaux. Tu la vaux, maman, elle la vaut pas comment. Elle est en vacances, moi, je suis en vacances. Ok. Même vacances, ce ne sont les gérés qui ne nous vaut pas, nous deux. C'est un gérer, c'est ambassadrice. C'est elle qui ne nous vaut pas, nous deux. Et sur le même rang qu'elle, elle est boss lady, je suis boss lady. Ok. Elle est partie en vacances, je suis partie en vacances. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le prince. Voilà mon cadeau. Hein? Ça, là, c'est un cadeau qui me vient du palais princier de Monaco. Hein? Voilà. Le prince remercie ses hôtes. Tous ceux qui partent visiter le palais, vous sortez avec un présent du prince. Voilà. Est-ce qu'elle a un cadeau du prince chez elle? Ou qui allait venir me dire que tu la veux? Maman? Les gens sont là et tout, au hangar et tout. Le lendemain, ils n'arrivaient pas à payer 12 euros au supermarché. Moi, je suis allée à Monaco. Je suis rentrée avec un présent. Voilà. Hein? Voilà. Donc, ne venez pas me dire que tu la vaux. Regardez bien. Regardez bien ma tasse. Vous avez vu? Monaco City, ça ne chauffe pas. D'accord? Donc, ne venez pas me dire que tu la veux. Tu la veux. Nous, nous valons. On va se valoir ici. Ça ne chauffe pas. Oh, on fait des missions de représentation de temps en temps. Mais oui. C'est deux choses différentes. Mais comme les gens ne comprennent pas, ils font l'amalgame de tout. Et vous pensez que un contrat comme celui-là, maman, perpétue un seul contrat. Il y a eu des contrats et des contrats ici, là, sur cette toile. Mais un maigre contrat des bonbons, des chocolats et des biscuits nous a fatigué les oreilles. On n'en respire pas. On tourne ici contrat. On tourne ici contrat. Tu vas même entendre le salaire qui sort dans ce contrat-là. On dit que c'est 150 euros. Mais on ne respire pas. Voilà, voilà. Hein? Jusqu'à la personne même qui a le contrat est sortie de ses gonds, dit que, hé! Hey! Dit là. Vous voulez qu'elle m'éteigne? Vous voulez que je me fasse? Vous voulez qu'elle disparaisse sur la toile?
à cause d'un contrat, partez avec. C'est pas moi qui dis, la vidéo est là. Partez avec. Eh ouais. Maman, le contrat là, c'est quel genre de contrat comme ça qu'on ne respire pas? Moi, on viendrait. C'est monsieur Messan qui nous a mis dans tout ça. Je sors, mais quand? Je sors, mais quand? D'une manière. D'une manière. Mais qui peut accepter cela? Tout le monde, regardez, à chaque fois qu'on. Quel exemple je peux vous donner d'ailleurs sur les réseaux sociaux? C'est normal que. Maman, tu es en vacances avec ton chéri. Ton futur, le futur. Tu es en train de parler des choses de Facebook. Hé, hey, boss lady. Ouais. Tu es en vacances. Les aristocrates de ça. Tu es en vacances avec ton chéri. Hein? Vous qui prenez le temps, vous faites comme si quand on avait le temps, ça veut dire qu'on a touché le ciel. Tu es en vacances avec le temps. Au lieu de parler les choses de l'entangan entre vous, l'entangan, hein, de votre milieu d'entangan, d'entanganoua, tu es en train de parler les choses de Facebook. On veut ceci, ceci, ceci. 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 On veut ceci, ceci. On peut faire ça, Adama. On peut aller en vacances avec son tangan. Hein? On oublie, ça dit que, on isole le tangan. Il devient le coursier. Tu prends une tasse de thé, chérie. T'as mis de sucre. Et l'eau chauffe. Longtemps, on devient le coursier pour parler des choses de Facebook. Hein? Non. Je te dis qu'elle donne la paresse. Christelle. Mais on peut faire ça. On peut aller en vacances avec son. Elle a dit que quoi, c'est l'ingénieur. Ça, là. Ah non, il prend son sens. Hey! Bombo! Maman, la maturité, s'il va me tuer ici. Je sens que je vais porter mes bagages, je vais aller rester chez ma soeur à Nice. Je vous abandonne ici. Parce que ça, ha! Et comme je parle même comme si c'est en partant là-bas, que c'est là-bas qu'elle va respirer. Mon téléphone va tourner tous les 5 minutes. Parce que elle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, toute la maison en alerte, tant qu'elle ne fait pas comme elle veut, tant que ce n'est pas correct, tant que non. Je dis que tu l'as lié. Mais. Je t'avais dit ça. Je te l'avais dit, tu m'as pas pris. Ce n'est pas possible. Toute la maison en alerte. Non, tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Aminata, la maison en alerte. Tant que ça ne va pas comme elle veut, tant que ces choses ne sont pas comme ça là, tant qu'il y a un point qui manque sur le i, Aminata, la maison en alerte. Jusqu'à ce que le point là se pose sur le i. Et puis nous tous, on respire ici. Hé! J'imagine alors ceux qui ont comme ça la 4, 5, 6. Vous faites même comment? Ah, chacun ses problèmes. À ma part ici. Personne ne peut le lui interdire. Elle a le droit. Que tu es d'abord qui pour l'interdire? Que tu lui donnes combien? Tes 150 euros que tu lui donnes là? C'est ça le problème. Elle doit réussir, oui. Mais voilà. Donc, tu as intérêt. Qu'est-ce qui. Elle n'a pas le choix. Qui sont dans l'intégrité de la société. Tout simplement. Perpétue n'est pas salariée de l'entreprise Duta Cosmétique. Hein? Ce n'est pas une salariée de l'entreprise Duta Cosmétique. Ah bon? Donc, elle n'a pas un salaire, ma. Non, non. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat de travail. Ok. C'est un contrat de quoi? Hey. Des droits et des devoirs d'un salarié. Hey. C'est pas ça. Hein. Hey. C'est un contrat. Elle réfléchit pour nous dire. De partenariat.
Quel partenariat? Elle a les, elle est partenaire avec toi dans quoi? Vos partenariats. Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui parle, elle arrive, elle s'arrête. Elle réfléchit ce qu'elle va vous dire. C'est une menteuse. Anéminale. Hein? Aujourd'hui, elle n'est pas salariée. Elle n'a pas rencontré un salarié. C'est un partenariat. Vous partenez, elle est partenaire avec quoi dans quoi? Donc la société Guptala, vous avez ouvert ça ensemble. Hein? C'est un partenariat. Minala. Un, deux, trois, c'est elle qui touche son kucha. Maman. Maman, toi-même, si tu te blesses dans ton kucha que tu as sur la tête, là, tu vas dire que quoi? Maman, quelqu'un a le kucha sur la tête. On m'envoie les mains, que les gens envoient les mains sur les mèches comme ça, quand c'est les vraies mèches, les mèches lisses. C'est-à-dire que quand tu mets la main passe comme ça. Tu as le kucha sur la tête. Un, deux, trois. Quand ça t'est blessé, tu vas nous dire quoi ici, non, maman? Hein? Moi, je sais que c'est quand tu as les jolies mèches, les plus mèches, que quand tu t'assois, tu fais ça. C'est toi qui as le kucha sur la tête. Et kucha, kucha, éponge métallique sur la tête. Un, deux, trois. Salut, madame Visette. Ça va bien? Et Antiana, Mougou. Moi, vous voulez même souvent vous donner un jar de ce que vous n'êtes pas. Un jar. Mmh. Moi, je peux crâner avec ma tasse qui m'a été offerte par le prince. Parce que j'étais au palais. Les vidéos sont là, tout le monde a vu. C'est une vraie tasse qui vient du palais princier de Monaco. Avant même, il me faut une que j'ai encore prendre du café. Hein? C'est une vraie tasse. Je peux crâner avec. Je peux faire ça. Hein? Avec sa petite cuillère, vous avez vu là. Je peux faire ça. Hein? Je attends. Oui. Juste comme ça. Oh, mais Rose, vous voyez ma tasse? Oh, c'est une tasse qui m'a été offerte par le prince Monaco, le prince Albert II de Monaco. Voilà, en compagnie de sa de son épouse Charlène de Monaco. Hein. Voilà, parce que je lui ai fait une visite dans le palais princier. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Hein. Ah oui, ça se comprend. Et toi, tu es là, tu as le kucha sur la tête. Tu nous fatigues un de toi. T'as chauffé l'eau, chérie? Est-ce que l'eau est chaude? Oui, mais moi, je... Bonjour, beautiful Candy. Comment tu vas? Je sais même pas. Et qui? Elle donne la paresse. Elle m'a déjà chassé. Tout le monde est parti. Tellement elle donne la paresse. Les gens qui veulent voir diamant bleu à terre. Mais être à terre. Le quoi? On veut la voir à terre. Quelle est la bonne voie en haut? Oh, oh bah alors, ma chance. Ouais! Ouais, mais vous me tuez ici à Meta. Vous me tuez ici à Meta. Quoi, les gens qui veulent voir où c'est quoi bleu à terre. Hein? Elle est d'abord en haut à quel niveau pour qu'on puisse la voir à terre. Mal sans balloc. Bonjour chef Rodrigue, comment tu vas? Elle est d'abord où en haut pour qu'on puisse la voir à terre, ma? Hein? Moi je vais à Paris, hein. Je vais acheter des choses à Paris. Non, j'ai rien acheté. Mais je sais pas. Attendez. J'arrive. Je me.
Je ramène ça au père. Monaco. Monte Carlo. Et à ça. Hein? C'est ça qu'on appelle, on aime son homme. Pas les publicités que vous faites sur les gens sur la toile ici là. Après vous vous tapez dessus. Ça c'est le vrai amour. Tu penses attaché à ton chéri. Lui, quand il était parti à Madagascar, il m'avait ramené aussi un t-shirt et une casquette. Hein? On est deux chauffeurs, quand tu es fatigué, prends le volant. C'est même quoi avec vous? Parce qu'on rentre toujours dans les accès. Mais c'est quoi votre raison? Volume, j'ai remis. C'est moi qui avais enlevé. Excusez-moi, j'étais en train de faire un truc. Ce n'est pas le contrat de l'hôpital cosmétique qui peut s'envoyer. Eh oui. Elle vous a bien dit que ce n'est pas le contrat de l'hôpital cosmétique qui pèse en charge. Ça ne vous suffit pas comme argument pour la laisser tranquille. Ok. On l'a attrapé, maman. Elle parle du Mexique, personne ne parle. Rendez-vous le moment. J'arrête mon direct. Bien sûr, ma chérie. Tu t'es inscrite auprès de, non, du service client. Vous n'êtes vraiment pas parler. C'est la voix de l'homme dont le Congo s'a dit. Loin parce que il est parti là. Qu'est-ce qu'il dit quand? Non, René Alex. Non, c'est son frère. Tu as dit tout à l'heure en disant que tu n'utilises plus les produits de ta cosmétique depuis que j'ai plus compris. Et maintenant, tu viens écrire ici. Hein? Que j'ai plus compris. Tu as dit que tu de vous le faire. Ouais, eh bien, tu m'as laissé faire mon direct. Oh, tu es même censé être parti. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que l'ambassadrice? Qu'est-ce que l'ambassadrice? C'est-à-dire que si tu aimes les produits de la marque Glutaline,
en quoi le fait qu'une sœur africaine fasse des missions humanitaires. Vous parlez des produits Greta Line. Toi, ça t'énerve parce qu'on parle de tes produits. Quand ton ambassadrice est gérée ou bien c'est quoi là? Ces gens sabotent ma part de produits. Qui dit quoi? Vous me voyez me plaindre. Je ne gère même pas. Et fait vu et ignorer. Voilà. Donc, souffrez. Yeso, on s'en mentit sur la vie des gens. Qui s'y dit que c'est parce qu'il y en a aussi qui prennent le temps de venir les expliquer ou bien de se justifier. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je vis ma life. C'est que les gens peuvent penser là-bas, mais je suis qui pour venir enlever ça dans leur tête. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Il est parti ou il n'est pas parti ou moi quoi dedans? Et quoi? Hein? Non. Eh, pardon, Philippine dit quand même, pas ça, jamais. Efface même le commentaire parce que les gens vont s'accrocher sur ça. Non, non, non. Mon homme n'aime pas dans les bêtises. Je supprime le commentaire là, pardon. C'est comme ça que ça commence. Il n'est rien de Facebook. Ce n'est même pas lui qui parle. Qu'est-ce que cela peut changer dans ta vie? Parce qu'il est censé, il n'est même pas là. Ce n'est pas lui qui parle, il est parti. Qu'est-ce que cela peut changer dans ta vie? C'est mon frère qui est venu me rendre visite qui parle là. Tu la détestes et t'as fait quoi? Qui déteste qui? Qu'est-ce que cela peut changer dans ta vie? Okay. Donc, si comme personne va faire ce qu'elle allait faire, par exemple, à la prison, ça ne te plaît pas? C'est les gens qui détestent aussi les gens, détestent les gens, que les gens les ont fait quoi? Hein? Tous ceux-là qui disent qu'ils supportent un compresseur et ils disent qu'ils me détestent là, ils me détestent qu'ils me connaissent ou je les ai fait quoi? Hein? Je les ai fait quoi? Jusqu'à saboter mes produits. Tout simplement parce qu'ils aiment compresseur. Je les ai manqué de respect un jour. Non, j'ai des problèmes avec compresseur. Elle est une personne à part entière. Elle peut me répondre, je la réponds. Et ils se mêlent de quoi? Donc c'est ça, c'est les dégâts collatéraux. Quand elle récupère, elle fait des dons pour aller donner un peu. Les dons là sortent de sa poche. Ça ne te plaît pas. Ça sort de sa poche. Pourquoi vous êtes comme ça? On est comme on est. Pourquoi toi-même tu es comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? On est comme on est. Tu as écrit tout à l'heure que depuis que je l'ai écrit, j'ai vu tes deux messages. Tu as écrit que depuis que j'ai pris compresseur, tu as arrêté d'utiliser mes produits. Mais arrête d'utiliser mes produits. Va acheter d'autres produits. Il n'y a pas de problème. Dis d'abord ce qu'elle utilisait même d'abord. Si j'ai pris compresseur pour qu'elle fasse des missions. Vous aimez vous accrocher sur un commentaire. Ça grandit. Tu es sûr que celle qui a écrit là que... Coucou Roxane. Mon bébé, celle qui écrit là que depuis que tu as pris compresseur, elle a arrêté d'utiliser tes produits. Tu es d'abord sûr qu'elle utilisait d'abord tes produits. Elle peut venir écrire ça là-bas, ça dit vous fiez, tu la connais? Non. Si c'est au moins quelqu'un que tu connais, tu es d'abord sûr qu'elle utilisait même d'abord tes produits. Il y a les commentaires que tu vois, tu fais vu ignorer. Tu passes. Moi j'ai les commentaires que je vois et passe comme un taxi plein. Parce que ça, c'est un commentaire qui veut venir créer la polémique. Mais quand vous aimez la polémique, tu t'accroches sur ça. Tu bavardes. Ça dit, ça te donne le sujet de conversation. Ça te donne le, ça dit que tu, comme si tu as lancé le direct, tu manquais de quoi parler. Maintenant, tu t'accroches maintenant sur un commentaire pour faire ton live. Après, vous allez dire que vous êtes des boss lady. Pardon? Pour aller donner le sourire à ceux qui sont aux nécessiteux. Ce que Compresseur fait au sein de l'entreprise Guta Cosmétique, c'est d'aller donner le sourire aux gens en ma présence, au sein de mon entreprise. Et ça vous fait mal? Et ça vous fait mal? Exactement. Si je l'enlève... C'est parce que c'est les internautes même. Les internautes... C'est vous-même qui donnez souvent le poids à certaines personnes. Parce que moi, les sujets, ça peut arriver sur la toile. Hein. Les gens qui vont vouloir utiliser ça pour surfer sur le buzz. Ça dit que vous faites vu et ignorer. C'est comme l'autre, là, quand il va encore parler, on va dire que wow, 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 wow.
Parce que j'ai vu quelque part qu'elle m'a insulté que je suis tas de graisse. Voilà quelqu'un qui a la graisse qui pend partout là. Quand elle bouge son même pas, ça fait foie. Hein? Une jeune fille de ton âge, je suis ta mère. Moi, j'ai porté deux fois, deux maternités. Donc, en gros, j'ai versé le sang deux fois. Je parle comme ça de Ndolo Moulema. J'ai vu quelque part que tu m'as traité en répondant à l'étoile clibienne et à comment on l'appelle? À du camin. Tu m'as mêlé dedans. Tu m'as traité des tas de graisses. Maman peut être remplie d'une graisse, une fausse graisse même. Hein? Et traiter quelqu'un d'autre des tas de graisses. Tu prends une sale beuse qu'on fait sur toi. Hein? Jusqu'à tu crées une page que Star Ndolo Moulema. Tu as besoin de ça pour créer une. Ça veut dire que tu as servi sur ça. Tu dis que bon, comme ça arrive, alors je profite de l'occasion, mais c'est sale. Et tu ne veux pas que les gens te disent que c'est du sale. Vous êtes nombreux comme ça ici, là. Que vous servez sur les beuses. Pour vous faire. Asseyez-vous, faites des contenus. Faites des contenus. Si on te demande que toi, sur la toile là, ta casquette c'est quoi? Tu vas dire que tu es star, que tu as deux immeubles. N'est-ce pas? Que tu es star, que tu as... Je vous ai dit que, faites votre là, ne me prononcez plus. Laissez mon nom transpirer. Ne respirez. Ma vie, ce n'est pas votre vie. J'ai évité votre sale buzz là, votre sale problème là, qui n'honore aucune femme. Qui n'honore pas la femme d'attente que je suis. Mais vous avez tout fait pour me mettre dedans et vous continuez à faire vos lives en prononçant mon nom. La langue de quelqu'un va se tordre un jour. Ça veut dire que vous êtes en train de prononcer mon nom là. Vous mordez votre langue, ça se retourne dans votre bouche comme ça là. Parce que vous êtes toujours en train de me chercher. Ndolo Moulema, répond à tes gens qui t'insultent. Ton buzz est sorti ici. J'ai dit et je répète. Ce n'est pas décrypter ça qui m'a dépassé. Je pouvais bien prendre les voices de Moussa. M'asseoir sur son mur. Les décrypter. De ma manière. En ajoutant le poivre, le sel, le piment, tout ce que je veux. Et tu ne vas rien faire à part crier comme tu cries là. Mais je ne l'ai pas fait. Par respect pour moi-même d'abord en tant que femme, parce que j'ai jugé que ce n'est pas quelque chose de propre sur lequel il faut surfer là-dedans. Je ne l'ai pas fait parce que tu es une femme comme moi. Je n'ai pas à te juger. Chacun de nous sa vie. Je ne juge pas la vie des gens. Je n'ai pas fait parce que j'ai peur de toi. Tu ne peux pas me taper. Il est même physiquement posé devant moi. Ne le sauve pas l'acheter, tu ne peux pas me taper. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je pouvais le faire. Mais parce que tout le monde connaît sur la toile ici ma ligne éditoriale. Je ne mange pas de ce pain. Même quand vous voulez obliger tout le monde à manger de ce pain. Bonjour Linda Moneri. Vous voulez tout le monde. J'ai ma ligne éditoriale. Je ne mange pas de ce pain. Je ne surfe pas sur les sales buzz. Pour me faire de la visibilité. Beaucoup de gens connaissent ma ligne éditoriale ici, là. Et tu n'as pas regardé tout ça. Tu oses me traiter d'hypocrite. Tu es malade. Tu penses que si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai trop peur de toi. Non. Quand j'entends les gens disent qu'on s'acharne, toi, ça t'arrange. Pour toi, c'est tu aimes ça. C'est ça, tu dis que oh, les doigts-là qui sont sur la toile, c'est des doigts-là frélatés. On n'est pas venu... On insulte les frères. Il n'y a personne qui sort s'indigner. Je viens m'indigner sur quoi? D'abord, je suis obligé de m'indigner. Hein? Je suis dans l'obligation de m'indigner. J'ai bouffé mes parts d'Ndjangui ici, là. Vous êtes nombreux. Vous êtes combien à vous être indignés? J'ai géré mes Ndjangui seul. Quand ça me dépasse, j'entre dans le Sisongo. Quand je ressors, je pars au couvent. Je ressors en bonne sœur. Oh, si c'est les prières, oh, je console mes deux personnes qui me suivent avec les prières. J'ai une place. Quand pour vous arrive, vous voulez qu'on saute, on crie sur tous les murs. Moi, je ne surfe pas sur les sales buzz. Et je ne juge pas les gens.
Je respecte tout le monde. Je ne juge pas la vie de quelqu'un parce qu'on ne connaît pas de quoi il fait le lendemain. Ce n'est pas parce que je ne juge pas que je peux approuver. Je n'approuve pas certaines choses, mais je ne juge pas qui le fait. Parce que tu ne sais pas dans quel contexte la personne s'est retrouvée dedans et pourquoi. J'ai du respect pour tout le monde. Et je soutiens ceux qui en sortent. Quand tu décides d'y sortir, je te soutiens. Si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice pour t'accompagner, je t'accompagne à mon petit niveau. Mais vous, vous aimez minimiser les gens. Et c'est toi, Ndolomulema, tu me minimises, que tu es qui? Hein? Et je t'ai déjà dit que tu ne sais pas clasher. Quand tu veux répondre à quelqu'un, pose-toi, prends te poser. Voilà. Parce que moi, celle-là, l'étoile caribienne là, même le fait que toi, tu me minimises, toi, Ndolomulema. J'ai bien répondu à l'étoile caribienne que toi. Elle n'a pas seulement cœur. Tout ce qu'elle a dit là, elle a parlé là. La plupart des choses là-dedans, elle s'adressait plus à moi. Malgré que toi, tu me tapes sur ton système, que je n'ai même pas envie de te soutenir. D'accord? Mais j'ai dit à Étoile Caribienne ce que j'avais à lui dire en transmettant sa vidéo sur ma page. Je lui ai dit en quelques mots qu'elle ne peut pas traiter des gens d'être partiale et qu'elle est impartiale alors qu'elle est en train de faire la même chose. Parce que quand elle condamne, sans condamner sa sœur du village, elle n'est pas impartiale, elle est partiale, elle a choisi son camp. Moi, je lui ai dit. Je n'étais pas obligée de lui dire, je pouvais faire comme tous les autres. Je n'étais pas obligée de lui dire. Ne me prononcez plus. Votre petite bande là. Faites vos lives et ne me prononcez plus dedans. Voilà ça que je dis. J'ai dit que je ne parlais plus de cette histoire. Déposez aussi mon nom. Vous voulez continuer votre sale buzz? Continuez-le, mais sans mon nom. Bonjour, Jenny Junior. J'ai promis dans le direct des caches que je ne parlais plus de cette histoire. Mais vous n'avez pas arrêté de continuer à prononcer mon nom quand vous faites vos lives. Ne prononcez plus mon nom. Je ne surfe pas dans les sales buzz pour me faire une place. La petite tête que vous voyez là, c'est une tête remplie. Je n'ai pas besoin de surfer dans des sales buzz pour avoir un contenu. Merci beaucoup, Jenny Junior. Parce que quand quelqu'un vous dit que laissez mon nom, vous ne comprenez pas. Parce que vous pensez que vous avez la grande gueule. Parce que moi, si je décide de prendre tes conneries là, comme tu continues avec mon nom, et ta bande aussi continue avec mon nom dans votre bouche, vous avez dit que je suis hypocrite. J'ai dit oui, c'est mon troisième prénom. J'accepte. Vous me laissez parler mon hypocrisie, ma. Mon nom, je crois à vos bouches. Hein? Mon nom, cherchez quoi dans votre sale buzz que vous continuez à alimenter là? Que c'est le buzz du moment. Mais quand quelqu'un dit que je ne veux pas en faire partie, vous ne pouvez pas laisser la personne. Hier encore, Black Beauty, tu as fait ton direct. Tu ne faisais que me citer. Alors que tu as dit que ne me cite plus là-dedans. Fais autre chose. Quand tu parleras d'autres choses, tu ne seras plus dans ce buzz. Tu parleras d'autres choses. Et que tu vois, j'ai pas un problème avec toi, Black Beauty, je te le dis encore. Mais je ne veux pas figurer dans ce sale buzz. Enlevez mon nom dedans. Vous avez dit que je suis hypocrite, j'ai accepté. Enlevez mon nom dans votre sale buzz là. Laissez-moi avec mon hypocrisie. Hier encore, j'ai suivi un de tels lives. Mon nom dans ta bouche. Oh, c'était chez la Rose. Oh, la Rose, jusqu'à tu sors un direct. Hein? Kiskafo est venu avec un sujet. J'ai dit à Kiskafo, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne veux pas parler de ça sur mon mur. C'est mon droit.
Pourquoi vous voulez à tout prix me mettre dans une histoire que je n'ai pas envie d'y être? À force, hein? C'est la force. Qu'est-ce qu'il faut? Est venu avec. J'ai dit à qu'est-ce qu'il faut. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, ma kiss. J'ai cru que tu m'amènes le Congo ça de Ngondja. Si ce n'est pas le Congo ça de Ngondja, ma, l'autre là, il ne veut pas parler de ça sur mon mur. Tu allais faire ton live. Tu dis que oui, et même si la Rose a dit qu'elle ne veut pas parler de ça, mais moi, je vais la citer. Tu me cites pourquoi? Ne me cite plus dans cette histoire, Black Beauty, c'est ce que je te dis. S'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour toi, quand tu parles de cette histoire, ne me cite plus. C'est trop demandé. Pourquoi quand quelqu'un ne veut pas les problèmes, vous forcez seulement que non, on va sauf que faire les problèmes. Vous forcez maintenant les gens à faire les problèmes avec vous. Ah bah alors, écoutons celle-ci là. C'était une parenthèse. Sans quelqu'un d'autre, ça va changer quoi dans ta vie, toi, René? Si je compression, sachez que dans le contrat de compression, elle peut me dire demain qu'elle ne veut plus le contrat. Elle a le droit. Du jour au lendemain, elle m'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle me dit 15 jours avant, je ne veux plus. J'ai décidé de. Le contrat s'arrête. Moi-même, je peux faire la même chose. Mais ça va changer quoi dans ta vie, toi, René? Moi, il n'est même pas de mari. Mon mari est parti. Dans ta vie? Je suis sans mari. À cause de Facebook, mon mari est parti. Pardon, laissez-moi. Parfois, je me demande si vous réfléchissez. Hein? Parfois, je me demande si vous réfléchissez. Toi-même, tu réfléchis. Toi-même, quand tu demandes aux gens que je me demande si vous réfléchissez, toi-même, tu réfléchis. Avant de venir faire le signer un contrat avec une clasheuse. Ah, tu as réfléchi à quel moment? Dis donc, moi, il enlève même ça. On dirait qu'elle me donne la paresse. Donc. Elle ne sait même pas comment. Comment vous faites-vous suivre cette femme? Elle donne la paresse. Ok. Elle donne trop la paresse. Dans mes roses, préparez-vous. Hein. Les bonnes choses s'annoncent sur notre jardin des roses. Le concept baignant avec au bruit. Ça commence dimanche prochain. Voilà. Et la pub sera faite toute la semaine. Voilà, le PayPal sera là. Tous ceux qui sont partants, qui veulent Béa et Kobouy, dimanche prochain, c'est 10 euros. La baguette de Béa, haricots et bouillie. Voilà. Vous mettez seulement vos 10 euros dans le PayPal. Dès que j'ai 5 commandes, 5 ou 10 commandes, allez. J'apprête tout. Lieu de repère pour récupérer vos commandes Châtelet-Léal. On se retrouve. Je vous donne une heure pile poil où je serai à Châtelet-Léal. Chacun vient prendre sa baguette là-bas. D'accord, mes roses. Le live sera chaud sur elle le soir. Dans son sale lit. Maman. Gomindan, j'attends ce fameux direct. Ça se dit quoi, même? Allô? Ils sont nombreux là, dont les voix m'insupportent. Hey. Maman, vous avez encore des sorties là? Hey, franchement, hein. Qui a encore des sorties ça encore? Hey. Ma soeur, si même c'est un cas. Non. Il ne dit pas son nom. Quand il va parler, on va dire que. Et qui est?
Elle allait ressortir la vidéo de tête de pape, la photo de tête de pape, ainsi là. Où elle a écarté comme ça, ils ont voir le caleçon. Je ne dis pas le nom de la personne. Sinon, on va dire que... Bon, je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'encouragent et me soutiennent. Merci beaucoup, hein. Les Yamseurs. Merci aux Yamseurs. Je suis pro Yamseurs. Une place sans bâchement. Je suis pro la paix des Yamseurs. Que cette paix perdure. Voilà, et en passant, tous ceux qui veulent être dans le... Tous ceux qui sont avec moi le 2 novembre sur notre table. Je suis rentrée des vacances. Parfait Angel, contacte-moi pour que je récupère parce qu'il faut que j'aille déjà finir avec Flore. Voilà le moment d'aller finir avec Flore. Parfait Angel, tu me contactes. Bélanger Nadia, tu me contactes. Audrey Kouali, tu me contactes. Marie's Cake, tu me contactes. Voilà les gens qui seront avec moi. Voilà. Parfait Angel, vous êtes deux. Audrey, deux. Bélanger Nadia, deux. Et puis, Marie's Cake et moi. Voilà notre table. Voilà, il faut que je récupère. Je pars remettre à Flore. Et le jour où je serai avec Flore, on va faire une vidéo ensemble. Pour vous dire que voilà, notre table confirmée et tout et tout. Voilà. J'ai le carnet des tickets avec moi, déjà. J'ai pris ça depuis le jour de du meet and greet. Voilà. Donc, ça ne souffre de rien. Notre table ne souffre de rien, mais il faut déjà que j'aille déjà voir Flore. Je vous avais dit que je rentre des vacances et puis on fait ça. Donc, Parfait Angel, tu me contactes. Mon numéro, tu le connais. 07 54 51 83 48. Tu me dis comment tu fais. Sinon, je t'envoie mon rib. Tu mets dedans. Tous ceux qui veulent le rib, je vous envoie, vous mettez dedans. Je sors ça et puis je pars donner à la légende pour notre soirée du 2 novembre. Maman, ça sera l'apothéose. Et Ludo, tu as dit que c'est toi, j'attends l'habit, hein. Tu as dit que c'est toi qui m'habille le 2 novembre. Donc le PayPal est là, tu peux la mettre, hein. Ah. Ta participation pour mon habillement dedans. Alors, pour le maquillage, je serai maquillée. Qui connaît qui a, celle ou celui qui a le numéro de Yuri? Attends, c'est qui ça encore? Franchement, je suis électron libre, je donne mon point de vue. Tu as lancé quelle maladie? La maladie de qui? Donc, elle a même allé jusqu'à dire que quand les gens ont publié les maladies ici. Wow. Judith, c'est comment? Il y a Bio Beauty. Tu voulais être sur notre table? Maro, je t'ai laissé un SMS. Je vais le lire après, chérie. Merci beaucoup. Ginny Junior, je vais lire l'SMS. Bio Beauty, tu dirais que... Je te disais qu'il y a encore deux places sur la table, hein, si tu veux te joindre à nous. Hein. Il y a encore deux places Bio Beauty. Nous avons une table de 10 personnes. Nous sommes 10 sur notre table. Donc, une table de 1000 euros. 500 euros par personne. Voilà. Et le tout est joué. Je peux vous laisser pour l'instant. C'était le bonjour matinal du Jardin des Roses. Je vous ai donné tout le programme du Jardin des Roses. Voilà. Nous avons un nouveau concept qui se met sur pied. Le concept beignet haricot, ce sera le dimanche. Nous avons aussi notre émission Appel à témoigner qui reprend ce dimanche déjà à partir de 16h30. Voilà. Parce que j'ai déjà de quoi. J'ai déjà l'histoire d'une dame qui m'a appelé, qui m'a confié son histoire. C'est une très belle histoire. Avec une très belle fin.
que je vais vous narrer et ensemble nous allons débattre là-dessus. Soyez nombreux aussi hein, pour l'émission. Nos matinales, on les maintient. Voilà. Et je compte m'inscrire aussi à la salle de sport parce que là, il faut que je reprenne le régime et tout et tout. Voilà. Et je dois contacter aussi Clarisse parce que je pense que je vais représenter ces produits-là du plus. Voilà. On parlera aussi de ça parce que j'ai pris le temps de bien lire toute la documentation qu'elle m'a envoyée là-dessus. Parce que quand tu dois représenter un produit, il faut bien connaître le produit, il faut essayer de lire. Voilà, donc je vais contacter aussi Clarisse pour ça. Plantain tendu, comment tu vas? Bonjour Maro, tu as bien voyagé? Oui, plantain tendu, j'ai très bien voyagé. Merci. Donc pour l'instant, je vous laisse. Peut-être je vous reviens plus tard. Je vais un peu essayer de déballer mes valises. Remettre un peu, bon, la maison, le père l'a bien conservé, hein. Mais vous savez que déjà, il travaillait. J'ai partagé ton live. Merci beaucoup, ton live. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous reviens plus tard. Pour qu'on cause, comme nous avons l'habitude de faire dans le jardin, des roses. Voilà. Donc, votre rose monégaste niçoise est de retour. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous ai montré mes cadeaux que j'ai ramenés. Ça, c'est un cadeau. Là, j'ai une tasse qui m'a été offerte. Précise qu'est Clarisse. Clarisse à Moyoc. Clarisse Moyoc qui vend les... Non, pas l'autre Clarisse. La Clarisse Moyoc. J'ai oublié qu'ils sont tous des Clarisse. Voilà. Donc... ça, c'est ma tasse. Donc, maintenant, vous aurez les lives, les matinales avec notre tasse, ça, qui est ma touche monégasque. Elle m'a été offerte après ma visite au palais monégasque par le prince monégasque lui-même, le prince Albert II de Monaco, voilà, et son épouse Charlène de Monaco, une belle sud-africaine, qu'il a épousé, avec qui il a des jumeaux, déjà. Ah. J'ai appris un peu de l'histoire royale du prince. Voilà, sa mère, c'était Grâce de Monaco. Sa mère est morte très jeune, avec un accident de voiture, dans un accident de voiture. Et ici, vous avez... un souvenir, souvenir de Nice, souvenir de Nice, qui m'a été offert par le maire de ville, qui est l'ami à ma sœur, exposé lui-même en personne, maire de Nice, c'est lui qui m'a offert ça. Voilà, un souvenir, tu peux l'accrocher comme ça, au mur. Comme ça au mur, voilà. Ou encore, tu peux tout simplement le poser comme ça. Je pense que je vais le mettre dans ma chambre. Je ne sais pas où je vais trouver une place comme ça ici sur le salon pour ça. Soit tu peux aussi le mettre comme ça. Voilà. C'est un souvenir niçois. Voilà. Et j'ai un autre souvenir. Maman, le plus grand hôtel de Nice, c'est ça. Maman, regardez aussi, comment ils peuvent donner un nom comme ça là, à un hôtel? Negrosso. Negrosso Hôtel. Negrosso. Hôtel Negrosso. Bon. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là au début, parce qu'au début, j'ai montré. Et puis, j'ai ce beau sac qui m'a aussi été offert par une amie à ma soeur.
une amie à ma soeur, ce beau sac de soie. Maman, le thème négrosso là apparaît seulement partout. Hein. Ah, là, c'est un beau sac. Un beau sac de plage, de course, de tout ce que vous pouvez voulez. Il est beau, hein? C'est un souvenir. Souvenir niçois. Bon, je n'ai pas pu aller à Cannes parce que le temps n'était plus. Il y avait d'autres occupations. J'irai la prochaine fois que je ferai encore un tour en Côte d'Azur. J'irai à Cannes cette fois-là. Je vais monter les marches de Cannes. Déjà, le sud me tente. Hein. Je vous ai dit ça, non? Pendant que j'étais même encore. Le sud me tente énormément. J'aimerais bien aller vivre dans le sud. Mais il faut convaincre tous ces gens-ci là. Ce n'est pas facile. Hein. Faut les convaincre. Moi, ça me tente d'aller vivre au sud. Maman? Je n'ai pas sorti. Maman? Tu es encore là? Il faut les convaincre.